2013, en fin d'année Benjamin 2. J'ai commencé par toucher un peu tout, lancer, saut et course. J'ai dû commencer à me spécialiser dans le lancer en fin minime 2, je pense. Donc, j'ai commencé par le disque, j'ai fait un peu de poids aussi. Avant, je faisais de la course. Puis maintenant, bah, je suis vraiment spécialisé dans le disque. J'aime bien la sensation, ça va loin, force un peu, c'est technique, j'aime bien. Quand le disque, on va partir ouais, loin, c'est bonne sensation, enfin, moi j'aime bien. J'ai commencé avec lui, donc pas à 13 ans en Benjamin, mais à partir de minime, il a commencé à faire des séances techniques de disque avec moi. On l'a essayé dans plusieurs lancers, parce que moi je suis plutôt spécialiste marteau. Mais au marteau, il avait du mal à comprendre le geste, et c'est vrai que le disque, il a compris très vite le geste. Il n'arrivait pas du tout à passer en compétition. Et le déclic a été fin minime 2, où là, il a réussi à faire des jets qu'il faisait à l'entraînement. Et à partir de là, il s'est spécialisé dans le disque. Et donc l'année dernière, il a fait une très bonne saison puisqu'il a fini donc à 42 mètres qualifié aux France. Mais là, première fois qualifié aux France, il n'a pas pu lancer par le stress, par l'émotion, les choses comme ça. Et puis il s'est révélé donc cette année. Là. J'ai changé de record en fin d'année, milieu de l'année KD2, à 46,06 m au championnat de France hivernal, lancé long. C'est là où j'ai fait mon record, 46,06 m. Donc j'ai été classé deuxième. J'étais étonné parce que j'ai gagné 4 mètres en concours. C'est énorme pour moi. Donc ouais, j'étais surpris, ouais, surtout. Ouais. Il a prouvé aux France qu'il savait très très bien gérer cette compétition, puisque arrivé avec je crois qu'il était 12-13e. Dès le premier essai, il bat son record et il s'installe dans les 8 premiers. Et au cinquième essai, il pulvérise son record, 46 mètres. Il se trouve second derrière un Russe, mais compté français, puisque... l'ensemble pour un club français, et il a réussi à garder cette place-là, donc en battant de 4 mètres son record. Bon, l'objectif serait de réaliser la même chose cet été, ce sera plus dur quand même, parce que lui, il était au top, il a très bien géré son concours. Est-ce qu'il arrivera à refaire la même chose? Point d'interrogation. C'est difficile pour les compètes, je suis en apprentissage, donc on va voir pour les week-ends. Pour l'instant c'est pas encore fait, mais on va voir. Ouais, je travaille le week-end, donc c'est un peu compliqué. Ouais. J'essaie de m'entraîner deux fois par semaine, donc le lundi matin et le mardi matin. On essaie de faire une séance de disque, sprint et des fois un peu de poids et de la musculation. Il a une force naturelle. Naturellement, il fait pas beaucoup de musculation, puisque vu son... ces conditions, on peut faire que deux entraînements par semaine, donc on fait sur deux jours ce qu'on ferait en deux, trois séances tout au long de la semaine, donc c'est compliqué. Mais malgré ça, donc il fait très peu de musculation, mais il a quand même un record en développé couché à 96 kg. Mmh. Et il est impressionnant en force, en lancer de poids arrière, par exemple, dans les stages, il est devant tout le monde, quoi. Qui est un stage qui vraiment est représentatif de la force. Les qualités, on n'en a pas trop. Je suis en bourrin, c'est. Voilà, puis j'essaie de rentrer dedans. Puis c'est surtout aléatoire en ce moment. Quoi. J'essaie de bien travailler ça, la technique et la vitesse. Mais pour en fait, je pense que c'est le risque de vitesse, la souplesse. Et puis ouais, être bien dans un concours. Quoi. J'arrive mieux à gérer mon stress en ce moment. Donc ouais, c'est beaucoup de stress des fois. Ouais. Puis le coach est derrière. Ça se passe bien, une bonne entente. Hein. Ouais, même si des fois en concours, il est stressant un peu. Ouais. Donc voilà, ouais, trop bon, c'est un bon coach. Ouais. Au début, c'est vrai qu'il garrochait plus qu'il lançait, hein, il faut bien reconnaître. Et là encore, on voit bien, c'est pas très fluide par rapport aux deux autres athlètes que j'ai, une fille et un garçon. Techniquement, il est nettement en dessous.
Mais par contre, c'est vrai que petit à petit, il arrive à mettre ça en place. C'est pas encore en place cette année, je pense qu'il faudra encore un ou deux ans avant que ce soit en place. Mais là, déjà, ça devient correct. Et ce qui fait que maintenant, il peut être régulier en concours. Bon, il ne pourra pas lancer beaucoup hein, cette année, comme il l'a dit, du fait de son travail. Donc, on va se contenter de 2-3 compétitions en préparant les France quand même. Et dans sa gestion des compétitions, ben, comme il n'aura pas beaucoup de compètes, c'est difficile de gérer dans le sens qu'il sait qu'il n'aura que 2-3 compètes. Cet été, j'essaie, ouais. 50 mètres, ce serait bien. Moi, je le vois un peu difficile. Je pencherai plutôt sur 47-48 et plutôt un objectif, ben, refaire déjà finaliste aux France, ce qui serait très bien. Et pourquoi pas refaire le même coup que cet hiver, mais cet hiver, c'était vraiment la surprise. Personne ne l'attendait. En plus, on a un autre athlète du club, Olivier Olivaca, qui lui, normalement, devrait lancer plus loin. Ils vont se battre tous les deux, d'ailleurs, c'était pour battre le record de Vendée, qui est juste au-dessus, 46 mètres 40, je crois. Je pense que les deux vont passer le record, lequel l'aura, je ne sais pas. Et là, le problème, c'est qu'il arrivait ce qu'il fait sans aucune appréhension. Lui, son objectif, c'était de battre son record, de faire un beau concours, et sans se mettre aucune pression, et il ne pensait pas du tout à une place. Là, quoi qu'il arrive, il est second, quand il sera annoncé dans les participants, on annoncera Hugo Lamy second cette année au championnat de France hiver. Et est-ce qu'il pourra gérer, ça lui mettra une pression supplémentaire.